J'ai choisi de chasser à l'arc parce que c'est une chasse de contact. Il faut être proche des animaux. Faut vraiment s'intégrer dans la nature. Faut se camoufler. Ça nous impose des distances de tir très, très rapprochées. Ici, on se trouve sur la commune de Parampuire, donc chez un agriculteur. Ici, il y a de l'élevage bovin et de la culture de maïs. Et on se trouve donc en périphérie de la commune de Parampuire. Et ce mode de chasse donc, permet de chasser silencieusement. C'est un des gros avantages. Donc là, on peut voir sur les premiers rangs de maïs que les ragondins ont vraiment essaimé tous les plants de maïs, et c'est ça sur vraiment tout le long des gels, et ça fait des dégâts assez conséquents au total. Il a deux flèches bien placées. Et voilà, donc là, il est mort. Un joli ragondin. Une dizaine de kilos. Il est resté net. Donc, je suis venu voir l'agriculteur en personne pour lui demander s'il avait besoin donc d'intervenir sur sa propriété vis-à-vis des ragondins. Donc chose qu'il a pleinement acceptée et dont il est très, très content. Car lui, il n'a pas forcément le temps de s'occuper de ça. Et il a déjà eu plusieurs animaux blessés qui se sont cassés les pattes dans les terriers. Donc depuis maintenant 3-4 ans que je chasse ici, il a vu de nettes améliorations par rapport à ça, une diminution assez conséquente de la population de ragondins.